partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo là. Atteignez les 100, vous êtes 98 là. Ah, on n'a pas le temps. Je suis au garde à vous. Tous les patriotes, merci, vous êtes 100 et quelques. Ok. On finit avec ça. Merci, chers patriotes. Merci, merci, chers frères et sœurs. Merci d'être là. Partagez-moi cette vidéo, même s'il est tard. Je suis Herman le patriote. Chers camarades, on va aller droit au but. On va aller droit au but. On va aller droit au but, chers camarades. On va aller droit au but. On va aller droit au but, chers camarades. Chers camarades peuple d'Afrique, je suis Herman le Patriote. Merci beaucoup d'être en ligne. YouTube, mettez-moi les pouces bleus. Merci, chers camarades. Je vais commencer mon allocution. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un individu. Un individu du nom de Guillaume Soro. Guillaume Gigbafori Soro. Oh, mais il faut bien te placer là. Attendez, YouTube, j'ai bien placé YouTube pour avancer. YouTube, faut bien place. Voilà. Je vais parler de Guillaume Gigbafori Soro, cher camarade. Ah, mais ici aussi, c'est... Voilà. Cher camarade, souvent, quand je fais mes directs et mon combat panafricain et patriotique, il y a des personnes qui n'aiment pas quand je cite le nom d'une personnalité politique qu'on appelle Guillaume Soro. Dans cet premier épisode, un épisode fera une semaine et il y aura une vidéo par jour dans cette semaine, dont 1 sur 7. Aujourd'hui est lundi soir. C'est vrai qu'il est très tard chez vous. Il est 16h12, donc il est très tard chez vous. Mais ayant un décalage horaire, on est obligé de faire les vidéos selon le temps que nous avons. Je voudrais, dans cet nouvel épisode, parler d'abord de son fameux pardon. Parce que dès que tu le mentionnes, oh, il a demandé pardon. Oh, il a demandé pardon. Oh, il a demandé pardon. Le pardon, c'est quoi? Parce que si on ne se dit pas la vérité en Afrique, là, on ne va jamais s'en sortir. Hein. Le commandant Ismaël, un homme qui a un grand parcours militaire, mais qui a été trompé, soit par la France ou par les Dramanes, par les Macky Sall, dans le but de vouloir faire renverser Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, il est 3 mètres sous terre, il est mort. Mais c'est un Burkinabé, hein? Mais c'est les Burkinabés qui ont tiré sur lui, à bout portant, légitime défense. Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi les hommes de Ibrahim Traoré ont tiré sur Ismaël? Parce que Ismaël a pris la posture de rebelle, de terroriste, de bandit, d'un idiot patriotique. Il a été le premier à ouvrir le feu sur les agents envoyés par le tribunal militaire. Le procureur
militaire a envoyé des gens. Il a d'abord convoqué ce salopard. Le salopard dit, il vient pas. Un militaire qui ne répond pas à une convocation de sa hiérarchie, parce qu'il y a un procureur militaire, mais c'est directement ta hiérarchie élevée. Le procureur militaire, même si tu es général, il est en même temps le supérieur de ce général. Parce qu'il est le procureur militaire. Ismaël dit qu'il ne va pas à la convocation. Alors ils ont envoyé des éléments pour aller le prendre. Il a vidé son chargeur sur le premier qu'il a vu. Lui qui était en liste de tête, en tête de liste. Et donc en légitime défense, les militaires burkinabés ont ouvert le feu sur lui. Et il est mort. Si c'est lui qui avait tué les gens, il allait payer pour ce qu'il a fait. Si tu ne me suis pas très bien, tu vas te perdre. Et je m'en fous de ta gueule. Hein. Les supporters de Guillaume Soro qui vont commenter après. Parce que quand tu fais les directs, ils ne sont pas là. Quand tu finis, ils viennent bavarder. Ceux qui vont venir bavarder après, moi je m'en fous de votre avis. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Un Africain, un panafricain conscient, normal, ne peut pas devenir cyberactiviste de Guillaume Soro. Même s'il avait vraiment demandé pardon. Chose que je vais démontrer, A plus B, que ce n'est pas un pardon qu'il a demandé aux Ivoiriens. Mais même s'il avait demandé pardon, il y a des actions, quand tu les poses, ça te salit à vie. Je reprends. Il y a des actions, quand tu les poses, lorsque tu les poses, ça te salit à vie. C'est collé à toi à vie. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi il ne faut pas être non seulement un tueur. Parce que si tu as tué dans ta vie, tu es un tueur. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le casier judiciaire. Le casier judiciaire contient les crimes, les choses que tu auras faites. Et ces choses-là sont sur toi à vie. Dans des pays corrompus comme la Côte d'Ivoire, il y a des gens qui écrasent les casiers judiciaires. Mais dans des pays modernes comme les États-Unis, où tu as un numéro de sécurité sociale qui est sur toi jusqu'à ta mort, tu peux rien écraser. Tu ne peux même pas les échapper. Parce que tout est relié au seul numéro qu'on te donne. Donc quand tu as tué, les gens savent que tu as tué en l'an. Regardez le tueur de Tupac. Pourquoi, depuis toutes ces années, c'est cette année-là, précisément ce mois-là, qu'ils l'ont attrapé. Le tueur de Tupac. Il va venir là-bas bientôt. Il va payer pour ce qu'il a fait depuis 1995. Combien d'années plus tard, les Blancs ont fait l'enquête un peu. Les gens pensaient que les gens avaient oublié. Tant que dans un pays ou dans un continent où nous voulons que les choses soient sérieuses, si ceux qui commettent des crimes de cette envergure, c'est-à-dire tuer une star comme Tupac, qui est mort à 25 ans, je crois, un homme qui avait l'avenir, qui représentait le noir, il faisait la fierté des noirs. C'est un noir qui l'a tué. Chers camarades, et aujourd'hui, à Los Angeles, ils l'ont attrapé. Bientôt, ils vont le juger et ils vont lui donner la sentence qui va avec. Pas parce que, non seulement pour le maître d'un individu comme lui, mais pour le maître d'une star. Et c'est les blancs même qui le disent. Les policiers blancs et les juges blancs qui le disent. Déjà, je regarde les interviews. Les gens disent qu'il va payer le prix au plus haut niveau de la sentence parce qu'il a tué une star américaine. Mais c'est un noir, hein. Le blanc, tu peux commettre un crime. C'est pourquoi je dis aux gens, si tu es dans un pays de blancs, France, Italie, États-Unis, il ne faut pas dire, aller tuer quelqu'un, il ne faut pas m'attraper. Tu vas changer tu peux changer la plaque de ta voiture, tu peux teindre ta voiture, tu peux acheter l'arme à feu dans le marché noir pour aller assassiner quelqu'un. Mais ça peut prendre 10 ans, 30 ans, 40 ans. Un jour, ils vont te cirer. C'est comme ça, blanc travaille. Un jour, ils vont te cirer. Il y a une dame qui a tué son mari comme ça. Au départ, il n'y a pas de preuve. Ils n'ont pas pris la femme. Le dossier n'était pas clos. Ils ont fait croire à la famille de la femme et à la femme, à son avocat, que le dossier est clos. Le dossier n'était pas clos. Les gens grattaient à la surface. Ils grattent. On fouille partout. On regarde partout. Un bon matin, ils sont allés la prendre. 50 ans de prison. Ça s'est passé à, je sais pas si c'est New Jersey ou même quoi là. 50 ans de prison. Elle-même, elle avait oublié. 35 ans plus tard, elle est vieille. Ils l'ont mis en prison. Elle a fait ses 50 ans. Ça veut dire qu'elle va mourir en prison. Ça, c'est le premier point que je voulais relever. Quelqu'un qui est à la base des milliers de morts, vous allez me prendre une vidéo de pardon qu'il a dit en passant.
Il venait d'un voyage. Et puis les gens, il dit, ah, moi, mais je savais que je n'allais pas échapper. Et puis en même temps, il crée un discours là. Ben bon, vous savez, je demande pardon à Gbagbo, je demande pardon à Bédier, je demande pardon à Draman, je demande pardon aux Ivoiriens. C'est ça que vous appelez pardon? Maintenant, la question est la suivante. Tu as fait quoi? Et puis tu demandes pardon. Il n'a jamais dit ça. Hein? Est-ce que tout ce qu'il a raconté là, est-ce qu'il le dément aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu Solo Guillaume qui est venu pour dire les Ivoiriens n'ont jamais détesté les Djoulas. Les Ivoiriens n'ont jamais empêché les Djoulas de porter boubou. Les Ivoiriens n'ont jamais fait tout ce que j'ai raconté. Je l'ai fait à cause de tant, j'ai menti. Est-ce que Solo Guillaume l'a déjà dit? Au contraire, je me rappelle très bien, en 2020, quand Draman l'avait chassé nouvellement, il est parti dire que la rébellion est un mot qui vient de rébellio. C'est une noblesse. Mais demain, j'ai monté beaucoup de preuves parce que l'épisode est ouvert. Vous m'avez trop fatigué avec vos commentaires. Je peux parler d'un sujet et puis brosser sur Solo Guillaume. Vous m'emmerdez dans les inbox. Vous m'emmerdez dans les commentaires. Maintenant, le dossier, il est ouvert. Le dossier, il est ouvert, chers camarades. C'est parce que c'est le soir. Il est peut-être 23h, 22h ou minuit en Afrique. C'est pourquoi vous voyez 400 et quel, 458. Ce n'est pas grave. Mais je pense qu'un jour, il y aura 2000, 3000, 4000. Et mes vidéos sont beaucoup plus regardées après les directs. Et les gens vont les partager. Je pense que les vrais panafricains vont partager cette vidéo. Et le message ira loin. Et les Africains vont juger l'affaire. On ne peut pas pardonner quelqu'un qui a demandé pardon à la foutaise pour des meurtres de plus de 40 000 personnes. Si on veut vraiment compter, voilà Dieu et puis je parle. Les morts qui ont eu, les morts que les rébellions ont engendrées là, dépassent plus de 50 000 personnes. Mais pour ne pas que... Parce que nous, quand on le dit, on peut dire que c'est un peu exagéré, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui ont été enlevés. Il y a des gens qui ont été brûlés vifs. Kona Bani n'a pas compté ceux-là. Il y a des charniers. On dit que Gbagbo Lora a fait charnier. Charnier, c'est charnier. Hein? Ils ont dit que Gbagbo Lora avait fait charnier. Eux-mêmes, ils ont fait plein de charniers. Il y a même des vidéos, des photos sur Google où on voit des gros trous avec plein de personnes dedans puis à chasser noir sur eux. Il y a les bras qui sortent ici, les pieds qui sortent là-bas. Vous pensez que Kona Bani a compté ceux-là? Quand vous regardez le documentaire d'un rebelle égorgeur des Ivoiriens, j'ai un peu oublié son nom là, comment il s'appelle? Commandant Frey, un abobolais, un djoula d'abobo. Il a même montré le couteau qu'il a pris pour égorger les gens. Et ils ont fait un documentaire. Et comme il ne comprend pas français, il y a un qui traduisait qui dit, lorsqu'on prend les gens de Gbagbo, attendez par les gens de Gbagbo, les gendarmes, les policiers, les jeunes patriotes. Vous voyez, non? Quand on dit les hommes de Gbagbo là, en réalité, Gbagbo Lora n'a pas plus de 10 000 enfants. Ou il n'y a pas 10 000 personnes dans sa famille. Quand on dit les hommes de Gbagbo, on parle des policiers, des gendarmes. Il y a même 60 gendarmes qui ont été égorgés. Tout le monde le sait. Ça y est dans les documents. Et les gens seront poursuivis pour ça. C'est vrai que l'auteur, il est mort. Le préfet qui est mort tout récemment, le préfet de Boaké là. C'est lui qui a reçu l'appel de la part de Solo Guillaume pour exécuter les gens. Solo Guillaume prenait les gens, il les mettait dans le conteneur. Et puis Seigneur Jésus, on met le conteneur sous le soleil et les gens meurent par étouffement. Tout cela, on ne les compte pas. La forêt de Banco. Mais si forêt de Banco n'a rien reçu, parce que forêt de Banco c'est vert, c'est entre Yopougon et puis à jamais, je crois. Donc tous les cadavres, pour ne pas que ça soit tellement exagéré, les gens prenaient les gens pour les enterrer la nuit. La forêt de Banco, elle seule peut peut-être avoir plus de 2000 à 5000 Ivoiriens qu'ils ont enterrés là-bas. Ils ont tué beaucoup d'Ivoiriens. Les gens sont morts. Et vous pensez que cette histoire de Solo Guillaume là, les Ivoiriens qui sont à Abidjan là, les gens qui ont perdu leurs enfants, vous pensez que c'est son pardon qu'il a... Mais regardez comment il a demandé le pardon. Je n'ai pas retrouvé la vidéo, hein. Ça c'est introduction. Il venait d'un voyage. Et puis on lui disait, non, il paraît qu'il y a quelque chose entre toi et puis... À ce moment, entre lui et puis Draman, ça n'allait plus bien. Draman commençait à ne plus l'aimer. C'est dans la même période où Draman l'a appelé le petit gros. Souvent, les petits enfants deviennent souvent des rebelles. C'est un petit gros. Et lui-même, ça l'a énervé. Il est parti en France pour faire conférence et c'est dans ça qu'il est resté jusqu'aujourd'hui. C'était dans cette même période-là. Donc, pour toucher le cœur de Draman, il a fait semblant, comme s'il demande pardon à Gbagbo Lora, comme ça, il va incrustrer le nom de Draman dedans. Et ce jour-là, il a demandé pardon à 3 personnes. Mais ça n'a pas de sens à mes yeux. Puisque la rébellion, elle a été soutenue par Kona Bédié. Elle a été dirigée, nourrie, présidée par Draman Ouattara. Et Gbagbo Lora a été celui-là même qui a été la victime.
Mais on demande pardon en même temps aux victimes, on demande pardon aux bourreaux. C'est ça que vous appelez pardon là? Parce que dans ce même pardon là, il a demandé pardon à tout le monde, à Gbagbo Laurent, à Dramane Ouattara et puis à Kona Bédié. Ça n'a pas de sens. Moi j'ai été chef rebelle. J'ai tué mes parents guerriers par milliers en une seule journée. 985 morts. C'est pourquoi les gens ont arrondi à 1000 morts. Sinon j'ai le vrai nombre. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. 985 morts, une seule journée, ça s'est passé à l'ouest de Côte d'Ivoire. Tapez sur Internet. On appelle ça le génocide ouais. Un génocide, c'est l'extermination d'un peuple, soit par groupe ethnique ou par groupe religieux, en grand nombre. C'est ça la définition du génocide. C'est ça la définition du génocide. Vous voyez, c'est-à-dire on tue de manière unilatérale, on tue de manière globale, on ne tire pas. Il y a des images qui sont sur Internet, femmes, enfants, vieux, vieilles, ils ont tiré sur tout le monde. Même mouton n'a pas échappé. Donc le responsable de ce truc-là, parce que le MPCI, mais lui-même il a dit ça quand il était en Côte d'Ivoire, il a dit clairement le MPCI a été créé pour lui, à cause de sa petite personne au gros ventre. Est-ce que vous le savez même? Mais est-ce que vous avez déjà vu les éléments de MPCI? Moi, je les ai vus vis-à-vis à Yopougon. C'est des gens qui font peur. Est-ce que vous avez vu? Je ne parle même pas des pro-ado, mais les partisans des ados qui sont rentrés dans la rébellion. Certains Burkinabés qui les ont soutenus, les Guinéens, les Maliens qui ont soutenu cette rébellion. Ça, c'est un autre dossier. Mais ne serait-ce que le MPCI. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le créateur du MPCI, que je vais donner tous les détails demain ou dans les jours qui viennent, parce que le dossier il est ouvert. Les gens m'ont énervé. Je suis obligé d'ouvrir le dossier. Je vais parler d'autre chose, hein. Mais ça, on va parler de ça. Parce qu'on ne peut pas donner une seconde chance à ce genre de démon. C'est pas possible. Il y a des êtres humains qui ne changent pas de nature. Par exemple, le chien, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le serpent, il ne change jamais sa nature. La Bible dit, il s'est glissé parmi vous des personnes dont leur destinée se trouve déjà en enfer. C'est-à-dire parmi nous les êtres humains, là, il y a des personnes qui sont déjà des démoniaques, mais qui ont la forme d'être humain. L'exemple, c'est Guillaume Soro. L'exemple parfait, c'est Guillaume Soro. Chers camarades. Et moi, je vais plus loin. Et je l'ai toujours dit. Guillaume Gbagbo Soro est plus dangereux que Dramane Ouattara. Et ça, quand je le dis, on pense que je suis en train de m'amuser. Guillaume Soro est plus dangereux que Alassane Dramane Ouattara. Ça, je vous le dis. Imaginez-vous un être humain qui est plus dangereux que Dramane Ouattara. Vous ne voyez pas que c'est la cata? Mais Guillaume Soro, il est plus dangereux que Dramane Ouattara. Chers camarades, je vais vous faire écouter une vidéo introductive sur la personne de Guillaume Soro. Écoutez, on est chez les Blancs, hein. Je pense qu'ils vont me signaler, parce que souvent quand je monte cette vidéo, on me signale. Mais je vais essayer encore aujourd'hui. Si on me signale, je vais couper la partie après. Voilà. Suivons ici Guillaume Soro. Après avoir tué les gens, il est parti chez les Blancs, en France là-bas. Regardez ce qu'il va dire en France. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des Forces Nouvelles. Oui. C'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens. Qui contrôle le nord du pays, 60% du territoire. Hein? Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussi, mais vous ne siégez pas. Hein? Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Ouais. Bien sûr, le 4 novembre 2004, on se rappelle très bien que c'est ce jour-là que le régime de M. Laurent Gbagbo a attaqué, n'est-ce pas, le nord de la Côte d'Ivoire avec des avions de guerre. Et on lui pose la question. Tu ne sièges pas au gouvernement. Il est déjà au nord avec le nom de Gbagbo. Et il prend Gbagbo, il le met dans l'avion de guerre et les calages qui ont tué les nordistes. Vous voyez comment il est démon? L'émission n'a pas encore commencé. On te demande simplement, tu ne sièges pas. Vous avez fini la guerre, mais tu ne sièges pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas au gouvernement parce que c'est un chef rebelle. Donc, il ne fait pas confiance. Un pro Gbagbo peut s'infiltrer là-bas pour le tuer. Donc, il ne siège pas encore au gouvernement. Quand il y a une réunion là, lui, il n'est pas là. Voilà la question que le journaliste a posée. En même temps, lui, il est déjà à Korogo. Gbagbo tue les Djoulas. Pour quelqu'un qui est sérieux, la personne doit venir pour dire tout ce que j'ai raconté, ce n'est pas vrai. Gbagbo n'a pas tué les Djoulas. On ne nous a pas empêchés de porter les boubous. On ne nous a pas maltraités, nous les gens du Nord.
Voilà pourquoi. C'est comme ça qu'il devrait faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, Soro Guillaume n'a jamais démenti tout ce qu'il a expliqué. C'est le contraire qu'il continue de faire. Ses partisans en sont l'exemple parfait. Je peux vous sortir les vidéos de Soule de Paris où il est en train de cautionner tout ce que son patron a fait. Mais Amira Blendé, mais là, on n'en parle pas. Aujourd'hui, ils se jouent les panafricains. Ils sont là, ils se jouent les panafricains. Mais peut-être quand ils vont voir ça, là, ils vont dire, oh, je vais attaquer Gbagbo Laura. Ils vont commencer à réveiller. Et donc, on leur discours pour dire, pion, on a fait la rébellion. Pion, on est plus fort que vous. Pion, on vous a tué. Pion. Les gens n'ont pas demandé pardon. Écoutez très bien. Ça fait 40 secondes. Écoutez très bien. Écoutez la question du journaliste et la réponse de Guillaume Soro. Pour comprendre un peu la supercherie, hein, l'élément diabolique qui est né en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Guillaume Soro l'Ivoirien. Écoutez très bien. L'émission fait 12 minutes, mais je ne peux pas tout... Si vous faites écouter tout ici, vous allez tomber des nues. Attends, il venait à peine de tuer les Ivoiriens. Injustement. Et il savait très bien que tout ce qu'il disait, c'est faux. Et il est au milieu des Blancs, en train de narguer le peuple de Côte d'Ivoire qu'il a tué. On va recommencer un peu. Écoutez très bien. 100% du territoire. Hein? Vous êtes également... Émission vient de commencer, hein. Bonsoir, bienvenue. Donc vous êtes secrétaire général des forces nouvelles, oui. C'est-à-dire le chef des rebelles... Voilà, le blanc il précise. Vous êtes secrétaire général des forces nouvelles. Pourquoi on les appelait forces nouvelles pour les enfants qui sont nés en l'an 2000, qui ont 23 ans aujourd'hui? Nous, on pouvait déjà engrosser femmes à cet âge-là, à ce temps-là. Moi, j'ai touché déjà sein des femmes, je suçais déjà sein des femmes. J'étais déjà grand à cette période-là. Pourquoi on les appelait forces nouvelles? Parce qu'avant, nous, on les appelait les assaillants. Les Guillaume Soro dit non, le nom, il est trop vulgaire, on n'a qu'à changer. Après, on les a appelés, eux-mêmes, ils ont dit, bon, on n'a qu'à les appeler FRCI. Après, on les a appelés les forces, non, je pense que c'est assaillants, non, c'est les rebelles. On les appelait rebelles. Après, rebelles, ils ont vu que c'était trop fort. Donc, les gens ont dit, bon, on n'a qu'à faire, on n'a qu'à dire force nouvelle. Après, force nouvelle... Ils disent, bon, on va dire force républicaine de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a l'armée de Côte d'Ivoire à part, hein, la gendarmerie de Côte d'Ivoire à part, la police de Côte d'Ivoire à part. Et eux, les rebelles, on les appelait force républicaine. Et force nouvelle et après force de république. Donc, ils ont eu quatre appellations. C'est pourquoi le monsieur, il était obligé de mettre c'est-à-dire. Pour ne pas que les générations futures se trompent sur l'histoire. Donc, le blanc dit, vous êtes le secrétaire général. C'est-à-dire, quand lui, il parle, c'est les rebelles qui ont parlé. Il était la bouche et les oreilles des rebelles en Côte d'Ivoire. Donc, pour être précis, le journaliste dit ceci. Écoutez très bien. Voilà ce que le journaliste dit. Écoutez bien. Guillaume Soro, bonsoir, bienvenue. Donc, vous êtes secrétaire général des forces nouvelles. Il ne s'arrête pas là. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens. Le chef des rebelles. Il avait déjà chassé Ibrahim Koulibaly de son poste. Il était maintenant le chef. Il n'était plus seulement le porte-parole, mais il était maintenant le chef des rebelles ivoiriens. Et puis, il est là, gaillardement, oui. Et regardez la question que le monsieur va poser. Qui contrôle le nord du pays, 60%. Ce n'est pas n'importe quel rebelle. Ce n'est pas des rebelles qui ont pris Koumbri, une ville de par exemple, et regardez au Burkina Faso. Koumbri, c'est une ville. Ou bien Ouagadougou, non. C'est le chef des rebelles qui ont pris 60% d'un territoire. Est-ce que tu peux t'imaginer ce que ça fait? Un pays de 322 462 km². Soro Guillaume et ses hommes ont pris 60% de ce pays. De ce gros pays. Ils ont pris 60%. Ils ont le contrôle de 60%. L'économie est morte. On dit que Gbagbo n'a pas réalisé. Mais 60% est entre les rebelles. Qui va aller travailler là-bas? C'est quel argent ça va donner au gouvernement? 60% d'un territoire qui avait déjà plus de 20 millions d'habitants. Ce qui voudrait dire, ils ont en moyenne 10 millions d'habitants au bout de leur calage, qu'ils pouvaient tuer comme ils veulent, quand ils veulent, comment ils veulent. Et ils l'ont fait, ils l'ont démontré à l'ouest. Un bon matin, ils se sont levés, ils ont tué plus de 985. Ouais, on l'appelait le massacre, ouais. À la tête, son petit Vecho, commandant Vecho. Qui ont tué nos parents. Voilà qui est Soro Guillaume. C'est pas fini. Quelle est la question qu'il va poser? Parce qu'il faut bien le définir. Le porte-parole des chefs des forces nouvelles, c'est-à-dire le patron des rebelles ivoiriens, quel genre de rebelles? Les rebelles qui occupent 60% du territoire. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire.
Les gens utilisent 60% et on empêche à d'autres de travailler. Mais il aura quel temps pour fabriquer pont, pour faire pont? Est-ce qu'il peut dormir même? Ado qui est peureux comme ça là. Mais c'est ce qui s'est passé sur Gbagbo Laurent. Et on nous dit, vous étiez au pouvoir, vous n'avez rien fait. Gbagbo était au pouvoir, il n'avait rien fait. Mais 60% est entre les mains des rebelles. Les Ivoiriens meurent au quotidien. Gbagbo ne peut pas dormir. Gbagbo se promenait. Il n'avait pas eu le temps de diriger. Accra 1, vous oubliez ça. Accra 2, vous oubliez ça. Makoussi 1, vous oubliez ça. Pretoria, c'est pas casse, c'est Vecho. Tu ne peux pas m'apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire. Hein. Maudit là. C'est là, c'est casse. C'est commandant, attends, l'Océanie. C'est commandant Los. Voilà, c'est pas Las, non. C'est pas Las, mais non. La Ciné, non. Il s'appelle Los. Il est grand détail comme ça. C'est lui qui a tué nos parents. Il est encore vivant. J'espère que Dieu va le maintenir vivant jusqu'à ce que Draman quitte un jour le pouvoir. On aimerait le voir à la barre, comme les Toumba, les Marcel de Guinée, là. Vous voyez, non? Les Dadis Camara, là. On aimerait les voir à la barre. Et ils vont nous démontrer quand et où on les a empêchés de porter Boubou. C'est pourquoi ils ont tué des milliers et des milliers. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On doit se venir. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi si vous me recevez. J'ai eu un problème de... Il y a eu un truc façon là. Je n'ai pas compris là. J'ai eu un problème. Ok, attendez, je vais voir. J'ai eu un problème. Je vais essayer de relancer. J'ai eu un problème là. YouTube, est-ce que vous me recevez? Parce qu'on dirait YouTube là, on dirait le direct continue. Mais Facebook s'est coupé carrément. J'ai eu un problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement. Ce n'est pas la connexion. Pas du tout la connexion. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous me recevez, essayez de commenter. Essayez de commenter. J'ai eu un problème là. C'était coupé pendant plus de 5 minutes même. Ça tournait 5 minutes. Je suis même sorti pour voir mon compteur, mais il y a le courant là. C'est pas le courant, mais c'est pas la connexion aussi. Ok, donc reconnectez-vous, voilà, 35 personnes, 42 personnes, ok. YouTube, et Facebook vient un peu. YouTube, ok, 93 personnes, reconnectez-vous. C'est comme ça, quand tu parles de maudits, des choses que je n'ai jamais expérimentées. Parce qu'ici, on coupe jamais courant, et la connexion se coupe jamais comme ça totalement. Mais la connexion était coupée totalement, ça tournait pendant 30 minutes. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Mais je parle d'un maudit. 72 personnes. Revenez. Atteignons les 100 rapidement. L'autre côté, 92. Ok, revenez. Likez le direct YouTube. Likez le direct. Comme ça, ils vont relâcher ça. On va poursuivre. Voilà, on va poursuivre. Mais quand même, soyons sérieux. On ne peut pas laisser impuni des tueries d'envergure. Voici ce qu'ils ont pris pour tuer nos parents. C'est son petit frère que j'ai ici. Je ne peux pas vous montrer mon trou que j'ai là-bas. Ça là, c'est l'État américain qui m'a donné ça. Mais on ne m'a pas donné ça pour mettre la fin à la vie des gens. On peut pas laisser impuni des gens qui tuent les gens. On peut pas laisser impuni. On dit non que Gbagbo n'a pas tué. Bon, moi, je suis en train de faire mon direct, non? Quelqu'un vient, il casse ma maison. Et je vois que ma vie est en danger. Vous pensez qu'il va m'amuser? Vous pensez que pourquoi l'État américain m'a donné ça là? Pourquoi j'ai eu le droit d'avoir mon arme? Le deuxième amendement de la Constitution américaine me donne le droit d'avoir une arme lorsque j'ai les papiers qu'il faut. Et j'ai les papiers qu'il faut par la grâce de Dieu. Voilà ça que j'ai pour moi. C'est légal. C'est comme si j'ai acheté mon téléphone. C'est légal, voilà ça. C'est pas amusement, hein? C'est légal. C'est mon calibre 12 que je n'ai pas envie de montrer parce que ça fait un peu peur. C'est tout. Si quelqu'un vient ici, il va comprendre. Ça s'appelle légitime défense. Et on dit non, les hommes de Gbagbo ont tué aussi. Mais qui a attaqué qui? La preuve, c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui.
Parce que c'est eux qui ont tué le plus. C'est eux qui étaient armés le plus. C'est eux qui avaient plus de force. C'est eux qui ont... Et puis, ce qui m'énerve, ils ont tué la population. Marcelin Yassé, il n'est pas militaire. Mais c'est la rébellion qui l'a tué. Émile Bogadoudou, il n'est pas militaire. C'est la rébellion qui l'a tué. Quand on fait la guerre, on fait la guerre contre les militaires. Quand vous faites le contraire, on vous appelle djihadiste. La même communauté dite internationale appelle les Palestiniens djihadistes, non? Parce qu'ils prennent des otages, ils prennent les trucs. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire, on dit non, Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. C'est pourquoi les nordistes ont pris les responsabilités. Quand on prend ses responsabilités, on ne tue pas les autres civils. Allez-y, dis ça à la communauté dite internationale, là. Allez-y, dis ça à Sarkozy. Quand un régime est là, le régime ne vous plaît pas et que vous voulez faire la guerre, attaquez-vous aux gens qui ont les armes comme vous. Qui est l'armée? Gbagbo n'a même pas réquisitionné l'armée. C'est parce que c'est lui-même qui a été trop gentil. Puisque les militaires même sont venus pour dire, ah le père, voilà ça, si tu signes là, nous on peut faire le bara. Parce que les rebelles Doula, c'est comme ça ils narguent les Ivoiriens. Vous êtes des peureux, vous êtes des peureux, vous n'avez pas une armée, ça c'est pas une armée, vous êtes des peureux, c'est pourquoi on a gagné. Non, l'armée n'a pas été réquisitionnée. C'est-à-dire les hommes comme les Assimi, les Tiani et puis les Ibrahim Traoré là. Les gens de chez nous là, ils ne se sont pas impliqués dans la guerre. L'armée de Côte d'Ivoire était en caserne, en pleine guerre. C'est la gendarmerie. Parce que les gens sont bêtes, ils ne connaissaient pas la différence entre l'armée d'un pays, la gendarmerie, la police. Eux chez eux c'est armé. C'est pourquoi parmi eux, il y a d'autres, il est en même temps en quatre treillis. En haut, c'est gendarmerie. Au milieu, c'est police nationale. En bas, c'est eau et forêt. Et puis l'autre côté, c'est la marine. Les rebelles étaient habillés comme ça. Parce que chez eux, tout ce qui est trahi, c'est trahi. Ils portaient n'importe quoi. Puisqu'ils partaient tomber sur les commissariats, etc. On ne peut pas laisser... Je ne peux pas laisser impuni un tel acte. Et toi-même, tu me regardes là. Et puis tu dis, non, ça fait rien, c'est notre frère. Quelqu'un rentre dans ta famille et puis il tue tout le monde. Et puis toi seul, tu es vivant. Imagine que tu as quatre enfants, une femme, ton neveu était là, ta cousine est là, ta maman était venue à vacances, ton père était venu à vacances, tes soeurs sont venues à vacances. Quelqu'un rentre, il tue tout le monde et puis il te laisse seul. Et puis on va dire non que, non, ça fait rien, c'est notre... Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser impunies. Guillaume Soro a posé des actions qui sont inhumaines. Sa place, c'est en prison. Sa place là. Guillaume, il y a des êtres humains qui ne méritent pas de vivre avec les êtres humains. Si vous voulez connaître un exemple, c'est Guillaume Soro. Donc voilà ce qu'il disait ici. On n'a pas oublié. Voilà ce qu'il disait ici. Parce qu'ils vont faire comme ça, puis il a oublié la vidéo. On continue. Oh, mais cette vidéo, ils vont me signaler. Ok. Ça, bon, la petite partie que j'ai jouée dans la vidéo précédente, je vais voir. Si on ne m'a pas signalé cette vidéo, demain... On va écouter toute l'émission. Mais il a dit des énormités. Mais je pense que quand on va demander... Regardez dans la Bible. Parce que la plupart, c'est les chrétiens. Les Ivoiriens qui veulent m'amériter. Non, toi, tu dis que tu es chrétien. Et puis, tu es comme si... Toi, là, je ne crois pas. Il y a d'autres qui disent... Ah, donc, toi aussi, là, tu as été homme de Dieu. J'ai vu l'une de tes vidéos. J'ai vu tes photos avec Raoul Wafo. Mais comment tu peux être chrétien? Et puis, tu ne pardonnes pas. La Bible dit, si on te gifle à ta joue gauche, viens, faut donner ta joue droite. Moi, il marche avec ma femme. Tu as giflé ma femme devant moi. Mais tu ne vas pas croire. Si elle n'est pas tirée dans ta cuisse, elle va te donner un vrai coup de poing. C'est pour ça même que je pratique. Pour protéger ma famille. C'est de ça qu'il s'agit. Vos bêtisiers que vous êtes dedans, là, nous, on n'est pas dedans. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. La Bible dit, si tu veux recevoir le pardon de la part de Dieu, il faut faire quoi? Dites, je vois, parlez, je vois, commentez. Pour demander pardon à Dieu, Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre, là, il y a des conditions pour que le pardon soit accepté. C'est pas quand tu viens, Seigneur, je te demande pardon, mais je t'offre mon pardon. C'est pas ça c'est pas ce que la Bible dit. Hein. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un chrétien ici. Parce que la plupart, c'est les chrétiens qui aiment faire ce genre de commentaires. Dites-moi parce que ça, c'est introduction. On entend de parler de pardon. Dans la Bible, là, même si vous ne connaissez pas le verset par cœur, mais dites-moi ou même paraphrasez le verset. Parce que moi, c'est mon mangement. Hein. Toute la Bible, ça est dans ma tête ici. Et je pense que certaines personnes me connaissent pour ça. Puisque j'étais déjà public dans ce domaine-là. Être public, c'est quand tu peux rassembler au minimum 10 000 personnes dans une idéologie. Tu es déjà homme public. Moi, depuis 2015, il y avait déjà 40 000 Facebook où c'était dur pour avoir abonné.
à ce temps-là, 2000, c'était dur pour avoir abonné. Moi, il y avait actuellement, c'est 42 000, c'est bloqué parce que depuis 2016, j'ai arrêté de prêcher. Puisque j'ai compris que les gens n'ont pas besoin de Dieu. Je n'ai pas perdu mon temps pour rien. Donc, j'étais déjà public. Depuis, quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, dans un quartier précaire en plus, et qui a plus de 40 000 sur sa page, c'est être public. C'est pourquoi j'ai même des photos avec les Raoul Wafo. Même vous-même qui parlez, ce n'est pas tout le monde qui peut aller voir Raoul Wafo. Tu vas voir son numéro où même. Raoul Wafo, multimilliardaire, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Moi, au moins, j'ai déjà pris photo avec lui, parce que dans mon domaine, je perçais. Mais j'ai compris que les gens n'ont pas besoin de Dieu. Je préfère faire le panafricain. Je peux revenir un jour, hein. Peut-être vous serez étonné de me voir en train de prêcher quand il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a fait des programmes. C'est pourquoi les gens ne me connaissent pas. Vous mélangez tout. Vous prenez parole de Dieu, vous mettez dans Baka, vous voulez amener ça maillé avec Plakali, vous mélangez tout. Qu'est-ce que la Bible dit concernant le pardon? Quand tu viens demander pardon à Dieu, quels sont les critères? Aujourd'hui, là, je vais lire les commentaires. Commentez. Alors, quelqu'un dit, il faut se confesser d'abord. Ça, c'est un premier critère. C'est pas fini. Mais c'est un premier critère. Et c'est un critère très important. Qu'est-ce que ça veut dire se confesser? On va aller pas à pas. Parce que Facebook, ils sont nombreux, mais ils dorment. YouTube, on y va. On y va. Il faut se confesser, d'accord. C'est pas fini. Ça, c'est un autre critère. Parce qu'il y a des critères. Pour atteindre le pardon. C'est-à-dire, pour que Dieu te pardonne, il y a des critères qu'il faut faire. Si tu ne fais pas ça, c'est zéro. S'il y a un qui manque, c'est zéro. Sorogom n'a même pas fait un. Il a fait la moitié. Il a fait semblant. La Bible dit malheur à celui qui utilise ses lèvres. Hein? Ses lèvres-là, qui utilise ça. On dit quoi? Revenir à Dieu. Non, ça, c'est pas ça. Facebook. Vous voyez, vous ne commentez pas. Facebook ne commente pas. Attends, c'est là-bas où vous aimez critiquer les gens. Vous dites que Guillaume sera à demander pardon. Et que nous, on est chrétiens, on n'a qu'à laisser tomber. Moi, il dit, bon, Dieu lui-même, là, pour lui demander pardon, là, quels sont les critères? Personne ne répond. Tapez sur Google, il va vous aider. Parce que je veux savoir. Dieu, qui est le Dieu, le Dieu trois fois saint. Dieu qui est le Dieu qui pardonne de manière illimitée. Dieu qui est le Dieu d'amour. Dieu qui est le Dieu de compassion. Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ce Dieu-là, pour qu'il te pardonne là, quels sont les critères? Moi, je vous attends. Je vous attends. Il faut commenter. Il faut reconnaître d'abord ton péché. Claire. Ça, c'est le premier niveau. Non, il faut laisser réconcilier toi. Enlever le vieux thème là. Il faut reconnaître d'abord. C'est ce que le verset dit. C'est là, c'est comme ça que le verset commence. Je vais taper le verset. On va le lire intégralement. Voilà. On va partir à l'église. Et puis on va revenir chez les démons. Allons-y à l'église d'abord. On va aller à l'église. On va taper le verset. Écoutez. Voici ce que la Bible dit. C'est lui. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce que Guillaume se refait actuellement. Dans Proverbe. Proverbe 28, 13. On dit, c'est lui qui cache ses transgressions. Ça veut dire ce qu'il a fait là. Il cache. Tu vois, non? Il a fait de mauvaises choses. Hein? Il ne reconnaît pas ça. Il ne montre pas ça pour demander pardon. Mais il cache, il fait semblant. On dit, cette personne ne prospérera point. C'est ce qui arrive à Guillaume Soro. Allez, je lui dis ça. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Ce Guillaume là, il va errer jusqu'à un bon matin, on va attendre qu'il est mort. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais il y a un autre verset qui dit ça de manière claire. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Mais on va partir un peu. Celui qui les cache, il ne peut pas prospérer parce que Dieu n'est pas gaou. Tu les caches. Dans cette émission dans Pays des Blancs, Guillaume Soro dit que Gbagbo Laura a envoyé des hélicoptères. On avait combien d'hélicoptères en 2002? Disons-nous la vérité. On avait combien d'hélicoptères? Gbagbo a commencé à payer les 1024, je pense que c'est vers les 2004. Lorsque les gens tiraient sur nous et puis c'était chaud. Je pense que c'est là maintenant, on avait 2024. La preuve, la France a fait un coup, ils ont détruit les 1024. Il y avait un qui était à Abidjan, je crois, et un à Boaké. Ils ont trouvé le 1024 à Boaké, à terre. Un avion qui ne vole pas, il n'y a pas pilote. Ils ont quand même bombardé ça. On avait combien d'avions? Et puis, Gbagbo va prendre des avions pour envoyer au nord. Mais Guillaume Soro a dit ça ici devant les Blancs. Guillaume Soro a dit ça ici devant les Blancs. Écoutez. Toi. Hein? Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussis, mais vous ne siégez pas. Hein? Voilà. Voilà la question que le journaliste pose.
Allons-y doucement. On va revenir à l'église tout à l'heure. Allons-y chez Satan. Et puis après, on va venir se sanctifier à l'église avec le verset. Le journaliste dit, tu es chef rebelle. Ça, on le sait. Il a donné les informations. Et maintenant, il pose une question. Il dit, mais tu ne sièges pas. Tu es premier ministre issu de quoi? Qui a compris? Dites-moi en commentaire. Guillaume Soro est devenu premier ministre comment? Le journaliste vient de le dire. On est à la 17e seconde. Il dit, tu es premier ministre issu de quoi? Je veux voir quelqu'un commenter. Ou bien de recommencer la vidéo. Issu des accords de Marcoussi. Qu'est-ce qui s'est passé à Marcoussi? C'est des rebelles qui ont mis pression à un président élu démocratiquement qu'on appelle Gbagbo Laurent. Tu nous donnes une part de ton gouvernement, comme ça on va arrêter de tuer les gens. Tu ne nous donnes pas une part, on va continuer de tuer ton peuple. Gbagbo dit, il faut devenir premier ministre. Voici comment Guillaume Soro devient pour la première fois premier ministre dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Donc il est devenu premier ministre par rapport aux accords de Marcoussi. Qu'est-ce qui s'est passé à Marcoussi? Il y a eu accord entre qui et qui? Mais quand tu vois les gens, je vois une femme qui s'appelle Lila La Lionne, Nina La Lionne, qui parle de Sorogio comme un ange. Une femme respecte. Quand tu la vois, c'est-à-dire au niveau de la, du troupe, elle est respectable à vue d'œil. Mais soit elle est bête, ou soit elle est foncièrement méchante. Elle connaît la vérité, mais elle est méchante tellement qu'elle préfère soutenir Guillaume Soro que de soutenir Gbagbo Laurent, qui a fait tout son possible pour ne pas qu'elle et que sa famille soient tuées. C'est parce qu'elle a envie qu'elle est cachée là-bas et elle dit faire vidéo. Quand tu vois une femme comme la guêpe, qui est intelligente, mais comme elle s'appelle Maïmouna Camara, elle se doit obliger, à défaut de soutenir Dramane Ouattara, elle préfère soutenir le rebelle Guillaume Soro. Et c'est la liste est longue. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu les entends, oh Guillaume Soro, il connaît tout dans un état. Il a été quand même premier ministre, respecte-le. Mais il a été premier ministre comment? Ou bien pour vous, tout chemin mène à Rome. Ça dit, moi, Herman le patriote, je m'avais tué tous les autres cyber-activistes et je deviens le seul cyber-activiste. En guillemets, hein, je tue les Hervé Djedje, je tue les Kone Gbagbo, je tue toutes les personnes qui sont en vue comme moi, parce que je suis aussi en vue, qui va se négliger. Et puis, mais ce n'est pas négligé. J'ai des vidéos qui ont des millions de vues. Ça aussi, c'est ici en vue. Direct, hein, pas vidéo préenregistrée, direct. Qui fait 1,8 million, 1,9 million, 2 millions, j'ai ça. Donc je suis aussi en vue. Il a déjà fait 4 000, presque 5 000. Qui va se négliger? Je m'avais les tuer, puis je suis le seul cyberactiviste. Et en 2030, les gens me présentent, on dit le seul cyberactiviste, Herman le patriote. Et les gens oublient comment je suis devenu cyberactiviste, en éliminant les gens. Mais c'est ce que Guillaume Soro a fait pour devenir premier ministre. En éliminant les gens, en tuant des Ivoiriens. Gbagbo n'avait pas le choix. Écoutez le blanc, écoutez le blanc, écoutez le blanc, écoutez le blanc. Et des forces nouvelles, oui. C'est-à-dire le chef des rebelles ivoiriens qui contrôle le nord du pays, 60% du territoire. Et puis le même, il complète, hein. Vous êtes également ministre d'État, ministre de la communication du gouvernement issu des accords de Marcoussi, mais vous... Issu des accords de Marcoussi. Blanc, il cache pas ses choses. Blanc, il est comme moi, c'est pourquoi je les aime. Quand ils sont contre toi, c'est Gbedra. Regardez France 24. Quand ils sont contre toi et ils disent Gbedra, ils ne sont pas comme les Samira qui jouent les doubles jeux. Non, Blanc, il n'est pas comme ça. C'est pourquoi j'aime aussi les Blancs. Que ce soit dans le mauvais ou dans le bien. Quand Blanc ne croit pas en Dieu, il ne croit pas à Dieu. Il ne fait pas semblant. Quand Blanc, il est athée là. Lui, il dit il est athée et puis il meurt dedans. Quand Blanc dit il a changé, il a changé. C'est pourquoi ils sont développés. Nous, on est là, on est la sorcellerie. On ne délaisse pas, c'est-à-dire on est là, on ne délaisse pas notre, c'est-à-dire on est là, notre agression, on les cache, et puis on veut que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas beaucoup d'entre vous. Parce que toi-même, tu frappes à Oko, mais dimanche, tu es à l'église. Tu penses que tu blagues qui? La Bible dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Transgresser, c'est aller contre la loi, contre ce qui est normal, poser des actions anormales. Tu transgresses. Trans veut dire au-delà. Comme quelqu'un qui est en transe. Un homme en transe, c'est quelqu'un qui est au-delà de sa nature, du naturel. Il est en transe. Transgresser. Transformer. Transformer, c'est donner une autre forme à la forme initiale. Tu transformes mes propos. Le potier transforme l'argile pour donner une autre, n'importe quelle image qu'il veut à l'argile. Soit un pot, soit etc., etc. Celui qui transgresse ses péchés ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Chers camarades, mais il y a un verset qui dit, celui qui reconnaît ses péchés, qui les avoue
et les délaisse, obtient miséricorde. Ça veut dire pour que Dieu te pardonne là, il faut au moins reconnaître que ce que tu as fait là, c'est péché. Guillaume Soro, ce n'est pas le cas. En 2020, sur Africa Media, je crois bien, Africa quoi là, Africa 24, il a dit que la rébellion était, est une action noble. Que la rébellion vient de rébellion. Et que c'est normal qu'on se rébelle. Il oublie que c'est une rébellion armée. Même le mot rébellion n'a pas quelque chose de positif. Soro Guillaume a créé ça sur Internet. Il a fait toute une vidéo de plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures même, en parlant de rébellion, comme étant une noblesse. Mais se rébeller, qu'est-ce que c'est? C'est aller contre une autorité. C'est ça, se rébeller. Se rébeller là, c'est dire que moi je ne fais pas ça. C'est que tu dis qu'on doit faire là, je ne fais pas. C'est ça la rébellion. Et c'est pourquoi Blaise Goudé a dit à la CPI que la pire des expressions, c'est la rébellion armée. Parce que la rébellion elle-même n'est pas bonne, mais quand tu ajoutes l'arme, les armes dedans, c'est grave. C'est la plus pire des expressions. Et c'est elle qui a fait de Soro Guillaume, premier ministre, ministre de la Défense. Pourquoi maintenant, lorsqu'il se qualifie, lorsque ses cyberactivistes le qualifient, les gens ne mettent pas la rébellion dedans? Mais ça fait partie de son cursus scolaire, de son cursus populaire, d'homme populaire. Comment Soro Guillaume est apparu à la télévision pour sa première fois? La première fois qu'il a apparu à la télévision, qu'on a bédé l'a arrêté. Parce que les gens faisaient les choses des machettes avec, je ne sais pas, c'est Fessy. Il avait porté une grosse chemise déchirée. Et paquit, galère allait le tuer. C'est la première fois qu'il est sorti à la télévision. Ça veut dire la première fois que Guillaume Soro est sorti à la télévision, c'est parce qu'il a posé des actions que l'État n'a pas aimées. La deuxième fois, il était chef rebelle, porte-parole de la rébellion. En 2002, c'est Guillaume Soro qui parlait au nom de la rébellion. Du 18 au 19, les Ivoiriens s'élèvent le 19, on ne comprend pas, on nous attaque, on nous tue. Le pays est mélangé. Les Ivoiriens sont traumatisés. Tout le monde est sur le qui-vive. On voit une vidéo postée quelque part là-bas, on voit Guillaume Guibafori Soro. On dit c'est qui? Ah, on dit il vient de faire que c'est un Ivoirien, mais c'est lui qui est le chef des rébellions. Quelle rébellion? On ne comprenait rien. On ne savait même pas qui faisait la rébellion. Pourquoi on faisait la rébellion? Ben les gens tuaient les gens. Ça a été la deuxième fois qu'il est sorti à la télévision. Et c'est de là qu'est partie sa popularité. Sa popularité n'est pas partie comme le Sénégalais qui fait comme ça sur TikTok et qui est devenu star. Sa popularité n'a pas été comme Jackie Chan qui fait karaté, film de karaté et qui est devenu star. Sa popularité n'a pas été comme Eto'o Fils qui pousse le ballon. Ou Didier Drogba qui donne coup de tête et qui est devenu star. Sa popularité, c'est après avoir tué des gens. C'est comme ça qu'il est devenu star. Pourquoi vous ne mettez pas ça dans son CV? Parce que si Guillaume Soro n'avait pas été rebelle et chef rebelle, il n'allait jamais devenir ministre pour dire que premier ministre. Je reprends. Si Guillaume Soro, parce que vous n'êtes pas sérieux, quand on parle d'un homme politique, et c'est ce que Gbagbo Laurent a dit à la CPI en faisant allusion, bien sûr, à Dramane et à Soro, à tous les rebelles. Il dit un homme, madame la présidente, pour connaître un homme, il faut regarder comment il a marché du départ jusqu'à arriver où il est arrivé. Parce que nous tous, on sait d'où on vient. C'est pourquoi l'adage dit, n'oublie pas d'où tu viens. Donc on sait d'où on vient. Soro Guillaume vient d'où? Il vient de la rébellion. Donc il a été ministre, Leblanc dit, il a été ministre issu des accords de Marcoussi. Mais Marcoussi, c'est Gbagbo qui était là-bas avec les rebelles. Les Ivoiriens ne dormaient pas. Par jour, si ce n'est rien, c'est les 500 morts. Par jour, c'est les 500, 300 morts. Gbagbo dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils disent qu'on doit partager le pouvoir. Ok, on n'a qu'à se retrouver donc à Accra. Ils sont allés au Ghana pour parler. Après, ils sont allés à Ouagadougou pour parler. Pretoria pour parler. Jusqu'à ce que Soro Guillaume soit pour la première fois ministre. Et Blaise Goudé l'acclamait. Blaise Goudé n'avait pas le choix. Blaise Goudé l'appelait monsieur le ministre. Et il est assis dans le fauteuil comme ça. Après avoir tué les Ivoiriens. Donc désormais, quand vous qualifiez Guillaume Soro, ne sautez pas cette étape qui a boosté sa carrière. Ne sautez pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Quelqu'un ne peut pas écrire un mémoire sur l'histoire de Gbagbo Laurent. Et puis la personne va sauter l'étape de FPI. C'est-à-dire la personne va commencer en 2023 avec PPACI. Ou bien 2022.
Et puis la personne veut que je lui donne le diplôme de PhD ou de docteur en histoire. Non! Quand on parle de Gbagbo Laurent, mais on parle en même temps d'Oufeu Boigny. On parle de l'époque d'Oufeu Boigny. C'est ça qui est Gbagbo Laurent. Quand on parle de Gbagbo Laurent, on est obligé d'aller 35 ans en arrière, si je calcule bien. On est obligé de partir quand il se cachait pour créer son parti. On est obligé de parler du FPI que Afingue s'est envolé. On est obligé de parler du fait qu'il est parti en exil. Et après, Oufeu dit faut venir. L'arbre ne fait jamais palabre avec l'oiseau. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. L'oiseau, c'est notre jeune frère Gbagbo Laurent. La vidéo est toujours là. Donc tu ne peux pas me parler de Gbagbo Laurent. Et puis tu vas sauter toute cette période et tu vas dire Gbagbo Laurent, il est né à la CPI. Et quand il est quitté à la CPI, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a eu en même temps 75 ans. C'est là qu'il a créé le PPACI. Et puis dans PPACI, il a fait politique, il a fait élection, ça n'a pas marché. Mais où il était président? En l'an 2000. Il a été président. Et pendant son parcours de président, il a dirigé combien de temps? Un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Rébellion dans son dos. En bon, ça c'est l'histoire de Gbagbo. C'est pourquoi il a dit à la dame, madame la présidente, quel que soit ce que vous déciderez, quel que soit ce que vous déciderez, j'ai dit à mes avocats de vous donner tous mes livres, mais on m'a dit que c'est déjà trop tard pour que je puisse introduire les livres de Gbagbo. Mais quel que soit le résultat de votre procès, je donnerai un lot des livres de Gbagbo à vous, madame la présidente, et je donnerai un lot aussi aux procureurs qui me poursuivent. Parce qu'un homme, il marche et il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver. Donc, quand vous parlez de Guillaume Soro, s'il vous plaît, soyez honnête. Et là, je m'adresse à ces cyberactivistes. Lui-même, là, quand il se présente sur sa page-là, il oublie, il enlève toutes ses années de rébellion. Et puis, il met simplement ancien premier ministre, ancien PAN, c'est-à-dire président de l'Assemblée nationale. Et puis, il met président du GPS et puis il s'arrête là. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Ce n'est même pas sérieux, c'est pas véridique, c'est un mensonge. Parce que tu ne pouvais pas être panne. Si tu n'avais pas été rebelle, tu ne pourrais jamais être président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible. Tu vas passer où pour devenir président de l'Assemblée nationale? Tu n'as jamais milité. Tu n'as jamais été militant de base d'un parti politique comme je le suis actuellement, Guillaume Soro. J'ai fait vidéo pour Gbagbo Laurent depuis 2021. En 2022. Le doyen Marcel Karagwe m'a remarqué et il m'a nommé. Je suis toujours à l'étape pépinière. Donc si d'ici 30 ans, je deviens quelqu'un en Côte d'Ivoire, mais j'ai un parcours. J'ai été militant de base. J'ai même voté pour Gbagbo Laurent. J'ai voté une seule fois dans ma vie et je ne compte pas voter deux fois. Si je dois voter, c'est que Gbagbo est sur la liste, je vais voter. C'est pourquoi j'ai reposté la vidéo où je demande à Draman de remettre le nom de Gbagbo sur la liste parce que je vais voter pour ma deuxième fois. Puisque je n'ai jamais voté. J'ai voté seulement en l'an 2010. Les rebelles ont tout fait. Ils ont pris le pouvoir par les armes. Depuis lors, je ne vote plus. Même quand j'étais en Côte d'Ivoire, premier mandat de Draman, je n'ai pas voté. Deuxième mandat, je n'ai pas voté, puis j'ai voyagé. Et je ne vais jamais voter tant que le nom de Gbagbo n'est pas là. Voilà. Ça me fait mal qu'il est 17h06. Et donc, il est très très tard chez vous. Et je dois aller au campus. Parce que j'ai cours de 18h à 21h. Vous voyez, non? Pendant que je suis étudiant comme Guillaume Soro, je fais mon militantisme politique doucement, dans le droit chemin. Guillaume Soro était étudiant comme moi. J'ai même dépassé l'âge qu'il avait quand il faisait la rébellion. J'ai dépassé ça aujourd'hui. J'ai dépassé. Mais je ne fais pas de rébellion. Je ne cotise pas avec mes amis ivoiriens pour aller faire tomber Draman Ouattara. Je le combats politiquement, c'est-à-dire je le critique en vidéo, sans avoir atteinte à sa vie et à la vie de ses partisans. C'est le contraire. Et c'est ce qui m'oblige à avoir ce genre de choses-là en face de moi. C'est ce qui m'oblige à avoir ça. Et ce n'est pas du jeu. C'est un vrai 9 mm qui est là. Ça met fin à la vie des gens. C'est ce que vous avez utilisé pour tuer nos parents. Et moi qui ne fais que critiquer, on me menace de mort. Je suis obligé de m'entourer des choses pour me défendre. Au cas où quelqu'un réussirait à pénétrer ma cour ou ma maison. Donc aujourd'hui étant l'introduction et il est très tard chez vous. Et puis je dois me reposer parce que dans une heure je dois bouger. Il est 17h,
7 minutes et j'ai cours à 18h jusqu'à 21h au campus. Donc, pour cette introduction, je vais prendre congé de vous. Demain, on va faire la session 2. Ça, c'est le premier épisode. Voilà. Chers camarades, je vais terminer cette petite vidéo pour vous dire... Bon, ici, c'est la même vidéo qui continue parce que YouTube peut faire plus de 10 minutes, je crois bien. Quand on n'a pas connexion, ça peut tourner pendant 10 minutes le temps que la connexion vienne. Mais Facebook, dès que ça fait 2 minutes qu'il n'y a pas connexion, Facebook eux-mêmes, ils coupent. Donc, ça fait deux vidéos pour le même sujet, mais YouTube, c'est toujours la même vidéo. Voilà, donc je remercie l'application YouTube qui fait un bon travail, qui a patienté à ce que ma connexion revienne. Donc, je vais vous donner rendez-vous demain. Je pense que demain, vous serez nombreux. Vous allez partager nombreusement cette vidéo parce que je vais rentrer dans la profondeur des choses concernant Guillaume Soro. Voilà. On ne peut pas laisser impuni ce que Guillaume Soro a fait aux Ivoiriens. Et je vous assure qu'il y a minimum 5 millions d'Ivoiriens qui pensent ce que je dis là, mais qui ne peuvent pas le dire. Mais qui attendent le bon moment pour le dire. Qui attendent le bon moment. Vous n'allez même pas croire. L'autre a tué Thomas Sankara. Il était au pouvoir. Le peuple burkinabé était tranquille. Mais dès qu'il est tombé, ils ont ouvert procès. Et tôt ou tard, il va le payer. Pour l'instant, les gens ont un problème trop sérieux. Les rebelles, les terroristes sont en train de fatiguer l'État. Ils veulent se structurer. Vous allez voir. Blaise Compaoré, tôt ou tard, Draman va le rendre. Tôt ou tard, il va rentrer. Même s'il faut passer par les négociations. Ils vont tout faire. De la manière que les États-Unis ont fait une négociation avec l'Iran pour recevoir leurs citoyens là. Et ils ont donné 6 milliards de dollars à l'Iran. Tôt ou tard, il aura quelque chose entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Même si c'est Draman qui est au pouvoir. Et il va rentrer, ils vont le juger, ils vont le condamner à perpétuité. Il le sait très bien. Lui-même, il est en train de prier pour que Dieu le prenne avant cette honte monumentale. Parce qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Je suis désolé pour tous les partisans de Guillaume Soro. Mais ça, c'est l'occasion de vous déconnecter. Parce que les épisodes qui vont suivre, je vais rentrer boulé. Et je pense que vous me faites confiance pour cela. Je vais rentrer très boulé. Donc ce soir, pendant qu'il est très tard chez vous, il est tard chez moi, déconnectez-vous, désabonnez-vous. C'est la preuve que je ne suis pas là pour avoir des abonnés. Mais je suis sûr d'une chose, qu'il aura toujours quelqu'un pour s'abonner. Parce que je suis dans le bon chemin, dans le bon chemin. Donc désabonnez-vous, allez-y vous amouracher avec lui. Parce que je vais commencer à le combattre. Peut-être cette nuit, si Dieu me dit de laisser, je vais laisser tomber. Mais si je n'ai pas pu laisser tomber, je vais le combattre frontalement et quotidiennement. Parce que ce n'est pas un exemple pour l'Afrique. On a besoin des gens comme les Assimi Goïta. On a besoin des gens comme les Ibrahim Traoré. Franchement, on n'a pas besoin des gens comme les Guillaume Soro. Franchement, Guillaume Soro n'a pas de cœur, chers camarades. Ça fait combien de minutes? 30 minutes, ok, je vais vous laisser. Guillaume Soro n'a pas de cœur. Guillaume Soro que vous voyez là, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Parce que tous les rebelles ont été achetés par M. Draman Ouattara. Tous les commandants de zone ont été achetés par M. Draman Ouattara. Même tous les officiers supérieurs, les vrais militaires, ont tous été achetés par Draman Ouattara. Et Guillaume Soro sait que s'il rentre, ils vont le prendre. Il n'a pas le choix d'être tranquille. Il n'a pas le choix d'être calme. C'est des personnes pour lesquelles j'ai du respect. Il y a même une personne qui m'a appelé la fois dernière. Quand j'ai brossé à faire le Guillaume Soro, il m'a dit non, tu sais, à faire le Guillaume Soro, là, j'ai regardé, j'ai commencé à rire. Attends, je pense que quelque part là-bas, là, André, il y a ouais là-bas. Vous voyez? Il y a même des ouais qui me combattent. Des ouais, il y a des ouais qui me combattent quand je parle de ce genre de choses. Et je voudrais être clair. Je m'en fous de qui va s'abonner, qui va se désabonner. Moi, je sais, je me connais. Je suis convaincant. Je suis éloquent à ma manière. Et ce que j'ai fait, c'est pas tout. C'est pas n'importe quel cyberactiviste qui fait ça. Sur la toile, sur Facebook là. Ce que moi j'ai fait. Parce qu'il m'a fallu 2 mois pour atteindre mes 100 000 abonnés. De 0 à 100 000 en 2 mois. Ça, je pense pas que tout le monde peut faire ça. Ce qui voudrait dire que je suis quand même convaincant. Donc que les pros se requittent sur ma page,
je pense que le pro Herman va rester sur ma page. Mais je vais dormir, je vais réfléchir. Je vais voir ce que mon cœur va me dire. Puisqu'il y a trop de chats à fouetter. Et lui-même, il est dans les oubliettes. Donc peut-être en frappant trop, parce qu'il n'y a pas de mauvaise communication, je peux essayer de rappeler les Africains de qui est ce monstre-là. Et ça peut faire sa petite publicité. Allez-y sur sa page. Ça sent la mort. Il est tombé comme les Guillaume Soro. Il est tombé. Les gens mangent ces petits milliards qu'il a volés là. Et il va errer. Un bon matin, on va attendre. Il est mort comme ça froidement. Un bon matin, comme ça. La mort surprend. Si moi je meurs, je suis mort en tant qu'un citoyen normal. Peut-être les quelques personnes qui me connaissent. Oh, on dit le frère n'est plus là. Oh, un jour. On est tous appelés à mourir. Hein. Mais si lui il meurt, regardez-moi ça. Tout ça pour ça. Tout ce qu'il a fait là, c'est pour aller dormir dans le pays des blancs, dans le froid. Comme quelqu'un qui est venu se chercher. Quelqu'un qui est en aventure. Il a tué ses frères. C'est encore des sales, il a tué ses frères là. C'est misérable. C'est misérable. Quelqu'un m'a dit même qu'il paye transport des jeunes filles pour aller les grès. Il n'est même pas fidèle. J'ai plein de dossiers sur lui comme ça. Les anciens rebelles viennent nous écrire comme ça. Mais c'est parce que je refuse de leur rendre ce service-là. Parce que même ils veulent que Soro Guillaume meure. Et je refuse de leur rendre ce service-là. Si je veux parler contre Soro Guillaume, c'est ce que mon cœur me dit, ce que je ressens. Pas ce que les rebelles me donnent sur lui. Sinon, il y a des filles même qui peuvent témoigner ici. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas si demain, il y a revenu dessus, mais après, il y a vous dit non, à fait de celui qu'on a laissé tomber. Donc, je préfère dire quelque chose en même temps ici. Il paye transport des jeunes filles. Il paye billets d'avion des jeunes filles, là, comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui aime le sexe. Les filles, là, prennent tout pour aller dans le pays des blancs, là-bas. Ils sortent avec elles et puis elles reviennent. C'est comme ça qu'il fait. Il passe par ces petits qui bavardent sur Internet, là, pour faire ça. On peut même appeler des gens qui vont témoigner. Mais ça, c'est trop la bassesse. Je ne vais pas rentrer dans ça, là. C'est à cause de ça. Pour ne pas qu'on dise que non, ça, c'est les buzz qu'il fait. Ça fait pitié. Si vous voulez rendre service à votre mentor, arrêtez de commenter sous mes vidéos. Quand je parle de lui, mais quand je le brosse. Parce que je vais toujours le brosser lorsque c'est nécessaire. Je vais toujours le mentionner. Il a voulu être populaire, non? Il est public. Les hommes publics, on les mentionne publiquement. Donc, soit vous vous déconnectez, soit quand vous entendez parler de lui, vous fermez votre gueule. Voilà un salopard ici qui a fait un commentaire. Je vais l'exposer ici. Il est parti payer badge bleu pour dire que lui, il a badge bleu. Pour ça, il va venir bavarder ici. Je vais l'afficher et puis après je vais le bloquer. Voilà. Donnez-moi un instant, je vais voir s'il est là. Voilà, le voici. Oh, mais j'ai deux directs. Comment je vais vous montrer? J'ai fait Facebook d'abord. Vous voyez ce gars-là, il s'appelle Zoku. Vous voyez Zoku? Voilà ce qu'il dit ici. Et quelqu'un est venu répondre à Zoku pour dire, il dit... D'après lui, c'est un président. Le président Guillaume Soro, il a même identifié Guillaume Soro dans mon direct. A demandé pardon au peuple ivoirien. Celui qui n'a jamais fait d'erreur peut lui jeter la pierre. Il dit même pas celui qui n'a jamais péché. Hein? Il dit celui qui n'a jamais fait d'erreur. Mais la Bible ne dit pas celui qui n'a jamais fait d'erreur. La Bible dit celui qui n'a jamais péché. Erreur et puis péché, ça fait deux. Voilà ce que le frère a répondu. Il dit, quelqu'un qui a tué 45 000 personnes, c'est un pardon, tu viens de parler, un vrai salaud, etc. Et moi, j'ai répondu ici. J'ai dit à ce gars-là, il a mis tchourr. J'ai dit, il faut m'énerver, hein. Tu ne verras plus cette page. Si tu commente encore dans ce sens, commente encore dans ce sens pour voir. Et j'ai mis tchourr. Il n'a plus commenté. Parce que vous allez voir, Zoku est fan de moi. Il ne veut pas perdre la page. Donc, ça fait une heure, il a commenté, hein? Il n'a plus répondu. Parce que c'est dans la même une heure là que nous tous, on a répondu. Il n'a plus commenté parce qu'il a peur que je le bloque. Il est fan de moi,
mais en même temps, il est fan de Guillaume Soro. Ça ne marche pas comme ça, Zoku. Zoku, excusez-moi, YouTube, vous n'avez pas vu. Je sais pas, vous êtes en bas, je ne sais pas comment vous montrer, mais ce n'est pas grave. Je vais te bloquer, Zoku. Et ta page certifiée, mais quoi là, ça, là, on paye ça. Tu vas voir, il est ici aux États-Unis. Voilà. Tu vas voir, il est ici, regardez, il a 5000 followers, donc il a payé le bleu là. Moi-même, je peux payer le badge bleu là, et tu payes par mois. Je pense que c'est 14 dollars par mois que tu payes pour avoir le truc bleu. Je ne suis pas prêt à donner autant d'argent à Facebook. Il est déjà milliardaire. C'est pourquoi je n'ai pas ça. Sinon, aux États-Unis, là, le truc bleu là, tu peux payer. C'est seulement valable aux États-Unis. Donc, si vous fouillez très bien, Zoku, il est aux États-Unis ici. Regardez, il a fait post, ça fait 2 heures, il a un like. Donc, ce n'est pas personnalité publique. Il a mis personnalité publique. Mais ce n'est pas personnalité publique. C'est juste un vrai Facebook qu'il a payé Facebook. Parce qu'il a un like. Il a un like. Regardez ici. Venez, vous allez voir. Même moi, je ne peux pas faire ça. Regardez, il a un like. Voilà Zoku. Il a fait un post. Il parle de réussir. Ce n'est pas réussir quoi. Un like. Un seul like. Ça veut dire que c'est lui-même qui a liké son post depuis 2 heures. Moi, même s'il est minuit ici. Si actuellement il est minuit, mais il y a quand même Brengore dans mon direct. Regardez YouTube, 151 personnes. YouTube qui est difficile pour avoir personne en ligne. 151. Facebook, 279. Bon, ça monte, ça descend. Ça veut dire, si moi je fais un post, quelle que soit l'heure qu'il fait en Afrique, ou quelle que soit l'heure qu'il fait ici, je ne peux pas avoir un like. Si je n'ai rien, c'est 100 likes, quelle que soit l'heure. Donc il a payé le truc bleu là. Parce que tu peux payer. Moi-même, j'ai essayé de faire, mais après, j'ai dit, mais pourquoi il a payé 15 dollars par mois? Parce que c'est 14,99. 15 dollars par mois pour avoir le truc bleu. Je trouve ça trop, c'est trop cher. C'est pourquoi je n'ai pas payé. Sinon, il peut mettre le truc bleu ici. Hein. C'est facile. Tu mets ta carte bancaire, tu vas avoir la pièce qui prouve que tu es aux États-Unis. Parce que actuellement, ça marche ici, ça ne marche pas d'abord en Europe, ça marche seulement aux États-Unis. Après, ils vont étendre ça, comme c'est ici, c'est né là. Donc, c'est ce que Zoku a fait. Et il pense qu'il est homme public, il vient commenter en bas de ma vidéo ton dagnéné pour mettre dessus. Par exemple, tu t'appelles Zoku, tu sais ce que ça veut dire? Imbécile là, mendiant. C'est l'un des rebelles, tu as mangé pour vivre. Toi, un vieux comme ça là, tu veux pas travailler dans ta vie? Que le président, et puis même président même, le président Guillaume Soro a demandé pardon. C'est lui qui n'a jamais fait d'erreur, qui lance la première pierre. La Bible dit c'est lui qui n'a jamais péché. On n'a pas dit c'est lui qui n'a jamais fait d'erreur. Ce que Guillaume Soro a fait là, ce n'est pas un péché. On appelle ça l'iniquité. L'iniquité puis péché, c'est deux. Péché, tu commets une action sans savoir que c'est une mauvaise action. Tu es un pécheur. C'est ce que les gens oublient. Et tu leur prêches la parole de Dieu. Et puis, c'est-à-dire, elle a fini de mougou. Hier, samedi soir, dimanche, elle s'en va à l'église. Elle ne demande même pas pardon concernant l'impuricité qu'elle a fait. Lundi, elle va chercher travail. Elle ne gagne pas de travail. Elle dit Dieu ne la bénit pas. Mais tu es inique. Parce que tu as mougou samedi. Dimanche, tu es allé à l'église, tu n'as pas demandé pardon. Demain, tu vas chercher travail ou même tu veux visa pour voyager. Dieu ne va pas te donner. Parce que tu n'es plus pécheur. Tu n'es plus pécheresse. Tu es inique. L'iniquité, c'est faire la chose consciemment. Tu sais que Dieu n'aime pas. Tu sais que c'est un péché, mais tu fais quand même. Consciemment, tu es inique. C'est ça l'iniquité. Sorogom, ce qu'il a fait là, ce n'est même pas péché, c'est l'iniquité. La Bible dit, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. C'est ce que la Bible dit clairement. Et c'est Jésus lui-même qui a dit ça concernant la femme adultérienne. Et la preuve, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Parce que vous lisez, vous connaissez les versets qui sont publics, mais vous ne lisez pas la suite des versets. C'est pour ça que vous vous trompez dans l'interprétation de la parole de Dieu. Jésus a dit à la femme, il dit, tu as vu les gens là? J'ai fini de parler, non? Ils t'ont laissé, non? Et ils t'ont pas lancé la pierre. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Ça veut dire, si elle quitte là, et puis elle s'en fait l'impuricité là, ça ne devient plus le péché, ça devient l'iniquité. Et elle peut être lapidée à mort. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit va et ne pêche plus, et c'est ce qu'il a toujours dit aux gens, il dit va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ne fais plus ce que tu as fait là. Le péché que tu as fait là, tu l'as fait inconsciemment. Mais maintenant que tu sais que c'est un péché, va et ne fais plus. Si tu le fais, ça devient iniquité. Donc les gens confondent le péché et l'iniquité. Voilà. Tu es 45 000 personnes. C'est une erreur. Monsieur Zoku, quelqu'un qui a tué 45 000 personnes. Toi, tu appelles ça erreur.
Mais une erreur, ça se répare. Ça se rattrape. Bon, il a qu'à rattraper les 45 000 morts là maintenant, on va voir. Zoku dit, Guillaume Soro a fait erreur. Il a demandé pardon. Mais une erreur, ça se répare. Une erreur, ça se rattrape, ça se répare. C'est ce qu'on appelle erreur. C'est-à-dire, quelqu'un te donne des devoirs de mathématiques, il dit 1 plus 1 égale à combien? Tu mets 3. Il y a d'autres, on peut dire c'est une faute ou une erreur. Mais je pense que là, c'est une faute. Parce que ce n'est pas juste. Ça, ça peut se rattraper. Parce que demain, tu peux venir dire, ah monsieur, je comprends maintenant, 1 plus 1 égale à 2, tu as rattrapé. Bon, 45 000 morts. Il a qu'à rattraper l'erreur maintenant, on va voir. Comme c'est une erreur. Zoku, comme c'est une erreur, il a qu'à rattraper, on va voir. Quelqu'un a mis fin à la vie de milliers de personnes. Et puis tu viens me dire sur ma page, c'est une erreur. Parce que tu payes 14 dollars à Facebook et puis tu as les trucs bleus. Je vais te montrer ce que la Bible. Comme tu as pris le verset biblique là, bah, il y a ceux qui me regardent. C'est un Maroc qui est fan de moi. Je le garantis, je vais le bloquer. Il n'a plus commenté. Il faut commenter. Je lui ai dit, si tu bloques encore une seule fois, si tu commentes une seule fois dans ce sens, il va te bloquer. Il n'a plus commenté. Il a peur que je le bloque. Parce qu'il est moutard de moi. Il regarde mes vidéos. Et il ne veut pas perdre la page. Parce qu'ils savent très bien. Il est ici aux États-Unis. Ils savent très bien que Facebook a fait une mise à jour. Quand il te bloque, c'est un blocage définitif. Ton truc est pris. Regardez, je vais vous démontrer. Regardez, hein. Je me suis bloqué et je me suis débloqué. Vous allez voir le message qu'on m'a envoyé. Facebook m'a envoyé même mon IP. Ils ont le IP. Ah, ça y est dans le... Oh, ça y est dans le... Non, on dirait le message est ici. Je vais vous montrer. Oh, le message est dans ce téléphone-là. Voilà, le message est là-bas. Oh, ça me fait mal. Ça dit, ils ont en même temps ton IP. Et ils ont ton mail. Et ils ont le numéro. Donc, si je te bloque là, ça, c'est comme c'est l'IP que j'ai bloqué. C'est-à-dire ton téléphone là, tu as créé 1000 Facebook. Tu ne peux jamais avoir accès à ma page. Et si tu changes de téléphone, le numéro est bloqué. Parce que quand tu crées Facebook, on demande numéro de téléphone. Tu vois, non? Maintenant, si tu as un autre numéro, que tu prends le même mail, c'est bloqué quand même. Parce qu'ils ont ton mail. C'est lorsque tu changes ces trois paramètres que tu peux maintenant avoir accès à ma page. C'est-à-dire tu ne prends pas ton numéro de téléphone, tu jettes ton téléphone et puis tu changes ton email. Là, ça devient une autre personne. Mais attention, ton nom à l'état civil, parce que maintenant, les gens réclament les noms à l'état civil. Si on voit que c'est le même nom, tu es bloqué encore, tu ne peux jamais voir la page. Donc, Facebook a fait une mise à jour qu'on appelle le blocage définitif. C'est pourquoi il ne veut pas venir m'insulter pour me répondre. Parce qu'il sait que si il est bloqué, c'est pour toujours. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer ce que la Bible dit concernant ce qu'elle lui appelle erreur. Là. Comment la Bible appelle ça? Quand tu ôtes. Attends, ma chérie m'a écrit, je vais répondre. C'est pas que le seul homme, je vais pas répondre à ma femme ici. Voilà ce que la Bible dit. Ce que les gens appellent erreur. Et c'est comme ça que les gens pensent. Les pros Soro. Ils disent que non, ce que Soro m'a fait, c'est une erreur. Ils ont tué plus de 30 000 personnes et ils disent que c'est une erreur. Tuer quelqu'un, là, voilà ce que la Bible dit. On va parler d'abord des 10 commandements. Dans les 10 commandements, il est écrit ceci. Attendez, j'ai perdu le verset là. Je vais le retrouver. Je vais le retrouver. Ciao. La Bible dit dans Exode 20, verset 13, vous qui parlez de Bible, voilà ce que la Bible dit concernant tuer quelqu'un. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. L'ancienne loi où on pouvait encore lapider les gens, on pouvait encore, on disait œil pour œil, dent pour dent. Dans cette ancienne loi-là, voilà ce que Dieu a dit à Moïse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Moïse qui a écrit Genèse. C'est lui qui a écrit Nombre, Deutéronome. C'est lui qui a écrit Thessaloniciens. C'est lui qui a écrit Exode. Tout ça là, c'est un seul auteur, Moïse, à qui Dieu a révélé le commencement de toutes choses. Et voilà ce que Dieu disait concernant les meurtres et les tueries. Tu ne commettras point de meurtre.
Mais c'est la suite que je veux voir et ça ne me laisse pas. Bon, je vais mettre. C'est la suite. Mais la suite est très importante. La suite. Parce que la Bible explique pourquoi tu ne dois pas tuer. Pourquoi tu ne dois pas tuer. Donc, allons-y dans Exode 20, verset 13. Tu parles un peu, c'est verset biblique, vous parlez. Ce regard lui-même qui ne croit pas à Dieu, là. C'est verset biblique, vous parlez, vous prenez pour venir nous distraire. Vos mots diables pour mettre dessus. Oh, ça, c'est en anglais. Oh, je vais française, là. Où est la version française? Chut. Pourquoi ça sort comme ça? Voilà, verset 13. Voilà. Tu ne tueras point. La version française dit tu ne tueras point. C'est un ordre. Vous qui parlez de Dieu là, c'est un ordre que la Bible donne. Tu ne tueras point. Pourquoi la Bible le dit? Parce que la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Quand Dieu a créé l'homme à la poussière de la, il a pris la poussière, il a soufflé le souffle de vie là. C'est Dieu qui donne la vie. Donc c'est lui seul qui doit reprendre la vie. C'est pourquoi nos frères musulmans disent, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est lui seul. Dans toutes les lois, même à Rome, même si la personne a tort, ils ont parlé d'autodéfense ou bien chaude, comment on appelle ça? Légitime défense. Légitime défense, la vraie définition, c'est lorsque ta vie est en danger, c'est là que tu peux réagir. Ça dit quelqu'un, il veut se battre avec moi. Moi, j'en ai mon âme, je tire sur lui. Moi, je me fais prison. Même s'il a raison. Parce que là, je viens de lui ôter la vie. Alors, ça gâte ma raison. Soumbil l'a dit. Guillaume Soro qui dit qu'il est du là, qu'il est du nord, il n'a pas écouté Soumbil. Soumbil dit, est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Soumbil a chanté le chant. Collectif Zouglou. Ça s'appelle, le groupe s'appelait Collectif Zouglou Patriotique, un truc comme ça en Côte d'Ivoire. Nous, on veut s'amuser. Arrêtez de... comment ils ont dit ça? Arrêtez vos fusils là, Nous, on veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là, Les artistes ont chanté. Soumbil a chanté la partie là. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? La Bible dit, tu ne tueras point. C'est clair. Même ici là, on dit... Quelqu'un a volé, c'est-à-dire que si quelqu'un vole et puis me donne d'eau, je ne dois pas tirer sur lui, je dois le poursuivre. Même la police, ça est dans les trucs. C'est-à-dire même quelqu'un, c'est vrai que les policiers qui font les mauvaises choses, mais même s'il est tiré sur un policier que je l'ai loupé et que je donne d'eau et puis je cours, il n'a pas le droit de me tirer dans le dos. Il doit me poursuivre pour m'attraper. Vous voyez maintenant, non? Voilà. Mais si je suis encore en face de lui et que je continue de tirer, là il peut tirer pour se défendre. Et c'est ce que les hommes de Babo Laurent ont fait, comme les gens aiment les appeler. Les gens venaient les tuer, eux aussi ils ont répliqué. Ça s'appelle la légitime défense. C'est pourquoi ils n'ont pas condamné Babo Laurent. Sinon, ça ne veut pas dire que la garde présidentielle, les gendarmes n'ont pas aussi tiré sur les rebelles. On a vu beaucoup de rebelles, malgré les gris-gris, balle est rentrée. Balle de calage, ça rentre. Même là, gris-gris, ça rentre. Vous voyez? Mais pourquoi ils ont acquitté Babo Laurent? Parce qu'ils étaient en légitime défense. Donc, tuer quelqu'un, ce n'est pas une erreur. Quand tu tues quelqu'un, ce n'est pas une erreur. C'est un meurtre. Et le meurtre, y compris dans la Bible, y compris dans nos lois, y compris dans la loi de Genèse, le meurtre est toujours condamnable. Il n'y a pas quelque chose qui efface le meurtre. Il n'y en a pas. Même l'argent n'efface pas. Le meurtre, c'est condamné. Pour peine de prison. Parce que c'est le plus grand crime. Dans l'humanité. Sur cette terre des hommes là. Le plus grand crime. C'est de mettre fin à la vie d'autrui. C'est le plus grand crime. Il n'y a pas un autre crime plus fort que ça. C'est pourquoi les femmes qui avortent. On peut les mettre en prison. Parce que l'enfant qu'elle a jeté dans le caniveau. Par l'avortement. L'enfant pouvait devenir président. Donc c'est un meurtre. Donc Guillaume Soro est un meurtrier. Mais pas n'importe lequel. C'est un meurtrier, c'est ce qu'on appelle dans les films un tueur en série. C'est-à-dire quelqu'un qui prend plaisir à tuer plusieurs personnes à la fois. C'est ça que Guillaume Soro représente. Ce n'est pas une erreur. L'erreur, c'est Gbagbo Laurent qui a commis des erreurs. C'est le président Gbagbo Laurent qui a fait confiance à Guillaume Soro. C'est le président Gbagbo Laurent qui a signé un papier pour que Dramane devienne candidat.
pour que Dramane devienne présidentiable. C'est ça qui est une erreur. Quoique, il n'avait pas le choix. Mais quand même, c'est une erreur. Parce que c'est lui qui avait le bic rouge. Il a voulu bien faire. Il n'a pas fait ça sciemment. Il n'a pas fait ça en âme et conscience. Pour lui, si Dramane devient président, ils vont laisser les armes. Donc, il a, et lui-même, il a dit à la CPI, il dit, j'ai appelé Thabo Mbeki. J'ai appelé Dramane Ouattara lui-même. Et puis, j'ai appelé Blaise Compaoré. J'ai dit à Dramane Ouattara d'être mon traducteur parce que Thabo Mbeki il parle anglais. Et comme Dramane dit qu'il parle anglais, donc il dit, j'ai dit à Dramane Ouattara d'être traducteur. Et c'est comme ça que je leur ai dit que comme mon électorat est Abidjan, c'est-à-dire quand on dit Abidjan, on parle de Côte d'Ivoire, donc il parle des Ivoiriens. Il dit, comme ceux que je dirige là, ils sont en Côte d'Ivoire et qu'on n'est pas en Côte d'Ivoire ici, donc permettez-moi de rentrer à Abidjan, je vais parler à ma population et ensemble, on va vous répondre. C'est comme ça. Il a dit, c'est un médicament, on va essayer. Je ne sais pas s'il parlait de Soro Guillaume, un truc comme ça. En tout cas, c'est comme ça. Et puis, il a signé un papier. Il a pris l'article 48 de la Constitution où le président peut prendre un décret exceptionnel. Ça veut dire que ça n'existe pas dans la loi. Mais comme il est président, il peut créer une loi. On appelle ça décret exceptionnel. Et dans le décret, il a dit, on va lui permettre d'être présidentiable en l'an 2010, mais l'an 2010 seulement. C'est-à-dire... L'élection de 2015, là, c'est une super chérie. Dramane était éligible, inéligible en 2015. Parce que le papier que le président Gbagbo Ouattara a signé permettait à Dramane d'être présidentiable une seule fois, non renouvelable, parce qu'il n'est pas ivoirien. Mais Gbagbo voulait bien faire. Vous voyez, s'il ne faisait pas ça, beaucoup d'Ivoiriens allaient mourir encore. Mais est-ce que le fait qu'il a fait ça, ça a arrangé quoi? Ils ont tué plein en 2010. Ils ont tué plein. Donc, on peut dire que plus tard, c'était une erreur. Parce qu'on peut rattraper. Si Gbagbo devient président, il ne va plus faire tout ce qu'il a fait comme erreur. Les gens à qui il a donné toute la place de la présidence, comme les Blé Goudé, c'est des erreurs. Il ne connaissait pas très bien Blé Goudé. Il n'a pas bien analysé la situation. Quelqu'un le soutient sur le terrain, il lui donne tout ce qu'il va avec. Blé Goudé avait l'accès à la présidence plus que Philippe Mangou. Plus que tous les ministres, les Kassaratés ont besoin de demander, ont besoin d'avoir audience, de faire audience pour avoir Gbagbo Ouattara. Blé Goudé, lui quand il vient, on lui ouvre toutes les portes parce que Gbagbo dit, laissez-le, c'est mon petit. Tout ça, c'est des erreurs à rectifier. Voilà! Donc une erreur est différente d'un meurtrier et d'un meurtre. Nos parents ont écrit la Constitution avec beaucoup d'erreurs. L'hymne national est rempli d'erreurs. Voilà le vrai problème. Nos villageois qui vendent les champs aux étrangers. Est-ce que vous savez que les 322 000, il y a au moins plus de 100 000 kilomètres carrés qui appartiennent aux étrangers. La Côte d'Ivoire fait 322 000 kilomètres carrés. Il y a au moins 100 000 qui appartiennent aux étrangers. Les gens ont vendu les terres, les gens ont vendu les champs, les gens ont vendu les choses en Côte d'Ivoire, des choses qu'on ne vend pas normalement dans un pays. C'est ça qu'on peut appeler erreur. Mais Guillaume Soro, c'est un meurtrier, c'est pas une erreur. Tuer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un. Ce n'est pas une erreur, c'est un meurtre. C'est mettre la vie, c'est mettre fin à la vie de ton prochain, à la vie d'autrui. C'est un meurtre, c'est pas une erreur. Donc quand ce salopard vient pour dire que Soro Guillaume a fait une erreur, il a demandé pardon aux Ivoiriens. C'est lui qui n'a jamais fait d'erreur qui lance la première pierre. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est lui qui n'a jamais péché qui lance la première pierre. Et je vous ai défini qu'est-ce que c'est que le péché, qu'est-ce que c'est que l'iniquité, qu'est-ce que c'est que l'erreur, qu'est-ce que c'est que la faute. Il faut bien placer Soro Guillaume là où il doit être. Arrêtez de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, c'est un tueur, c'est un meurtrier, c'est un rebelle, c'est un chef. Rebelle. Et en ce qui me concerne, il n'a pas changé. Parce qu'il y a des individus qui ne changent pas de nature, comme le serpent, comme le chien qui ne change pas sa manière de s'asseoir. Comme les gens, comme les Soro Guillaume qui ne changent pas leur nature. Soro Guillaume était dangereux pour l'Afrique. Faisons très attention. Peut-être que je ne vais plus revenir dessus. Peut-être que je vais réfléchir la nuit et je vais déduire que c'est une perte de temps. Et je vais parler d'autre chose. Mais je ne vais pas supprimer ces bouts de vidéos-là. En tout cas, je ne vais pas supprimer. YouTube, je ne peux pas supprimer. Vous aussi, je vais laisser exprès ces bouts de vidéos pour voir un peu vos commentaires parce que je n'ai pas plus le temps de lire vos commentaires. Peut-être que je ne vais plus revenir dessus.
Parce que c'est trop d'énergie. Il faut mettre l'énergie dans le Liptako Gourmand. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur de parler de Guillaume Soro. Ou bien j'ai peur de perdre les abonnés. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Demandez à YouTube. Les abonnés de YouTube me connaissent très bien. Malgré que j'ai allumé Soro Guillaume pendant des années. Mais mon YouTube n'a jamais régressé. Au contraire, on est presque à 55 000 abonnés. En moins de 4 ans. Parce que j'ai créé ça, le YouTube en 2018. Mais j'ai commencé en 2021. Dans 2023, moins 2021, ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire politique. Ma page, on est à 54 900 abonnés sur YouTube. Et il y a encore une autre chaîne YouTube. 15 000, presque 16 000 abonnés. Et avant ça, j'avais une autre chaîne YouTube qui avait 142 000 abonnés. Mais je taclais toujours Guillaume Soro et Dramane Ouattara là-bas. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a des millions de personnes en Côte d'Ivoire. Et il y a des personnes en Côte d'Ivoire qui réfléchissent comme je réfléchis. Ces personnes vont s'abonner. Désabonnez-vous! Mais ces personnes vont venir s'abonner. Je n'ai pas peur de perdre abonnés, moi. Parce qu'au départ, quand je suis venu, quand j'avais encore les 20 000 abonnés sur cette page, on me disait, non, si tu attaques les Soro Guillaume, tu vas perdre d'abonnés. Vous avez, pour ceux qui m'ont suivi en juillet, quand j'ai commencé en juillet, beaucoup me disaient, on était vers les 15 000 followers, je venais de commencer. Mais j'ai répondu à ces gens-là. J'ai fait une vidéo pour dire, mais vous dagnerez-vous tous. Abonnez, puis vu là, allez-y avec ça. Est-ce qu'ils sont partis avec ça? Des personnes se sont abonnées d'elles-mêmes. Je n'ai jamais payé Facebook pour qu'on me donne abonné. J'ai 106 000 abonnés, là où je vous parle. Et ça va grimper. J'ai fait cette vidéo, non? Mais ça va grimper encore. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui pensent comme je le pense. Et on est plus nombreux que ceux qui sont encore dans les actes de rebelles. Donc si je ne suis plus revenu dessus, voici un peu grosso modo ce que je peux dire de Soro Guillaume. Mais si je reviens dessus, sachez que demain, on va repartir dans la rébellion et je vais vous montrer des images. Parce que ça, c'était ma spécialité. Jusqu'à d'autres disaient que non, tu es plus fort que Johnny Pacheco. Parce qu'il y a des choses que je fais sortir que peut-être que tu n'as jamais vu de ta vie, que je peux montrer ici. Parce que je suis très fort dans les images. Donc si demain je reviens dessus, on va commencer à jouer le match de Maracana. Et dans le match de Maracana, on peut se bro. Il y a ce qu'on appelle les broli. C'est-à-dire le gars, il a la balle. Hein. Toi, tu ne vises pas la balle, tu vises ses pieds. Et je vais bro sur le Guillaume. Mais peut-être que je vais changer d'avis parce que c'est de lui donner cote. Il est déjà mort. Il est mort. C'est mieux de l'oublier pour qu'il meure très bien. Comme ça, quand il va essayer de se réveiller, nous, on sera assis sur lui. Donc, on va attendre demain pour voir si je dois continuer ou je dois m'arrêter. Mais concernant ce genre de commentaires-là, j'ai voulu faire cette petite partie, cette petite vidéo de mise en jambe. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.